3, 2... Le lanceur européen Ariane 5 a placé sur orbite 4 nouveaux satellites du système de navigation Galileo. Allumage Vulcan. Ariane 5 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane et la mission a duré près de 4 heures. Galileo a pour ambition de rivaliser avec le russe GLONASS, le chinois Beidou et surtout l'américain GPS. Le système de positionnement par satellite représente pour l'Union européenne à la fois un enjeu économique, mais surtout militaire en permettant d'assurer l'indépendance des forces armées vis-à-vis du système américain. 22 satellites sont désormais en orbite et ils sont placés à une altitude moyenne d'un peu plus de 23 000 km au-dessus de la Terre. Le service gratuit de Galileo offre à son utilisateur une précision de 4 mètres sur un plan horizontal et de 8 mètres en altitude. À terme, la constellation Galileo sera constituée de 30 satellites, dont 6 de secours.